Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de cartes Pokémon. On va ouvrir un display épée et bouclier. Il y a un petit moment que je voulais l'ouvrir et que j'attendais surtout. Donc on va ouvrir ça, on va faire ça en 4 vidéos vu qu'il y a 36 boosters dedans, donc ça nous fera 9 par vidéo. Donc on va ouvrir ça tout de suite, on va regarder déjà l'extérieur. Donc il est sous scellé hein, bien sûr. Il est magnifique. Donc il est encore plus joli sans le scellé. Hein. Tac, voilà. Allez, on est parti. Donc dedans, on a les 4 illustrations. Je sais pas trop comment on va faire. Bon, on va prendre les 9 premières. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Tac, cela, ce sera pour une prochaine vidéo. Hop, rangé dans la boîte. Et on est parti. Alors, voilà, on va commencer par les Ronflex. C'est celle que je préfère le moins en illustration. Bah, c'est quand même joli, mais à choisir, c'est celle-là que je sacrifierai en premier. Allez hop, on est parti. Je suis très content. Le petit code. Nous avons Meowth de Galar, Flambino, oula, Tefroi, Marakashi, Pikachu, Dresseur Échange, Trio Picker, Moumouflon, Énergie Foudre, et Krabos en reverse, et ouh, une holo de Belle de Neige. Ok, bon, rien de fou, j'espère qu'on va avoir quand même des V. Ce serait dommage de pas avoir une V là-dedans. Ouais, hop, on va passer au deuxième Ronflex. C'est parti. Le petit code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et celle-là d'édition, elle ne sent pas les cartes. Normalement, tu les sens toucher. Tu arrives à tricher un petit peu, mais là, pff, je sens que dalle. À un moment que j'ai perdu la sensibilité dans mes doigts, d'accord. Non, je pense pas. Alors, nous avons un Chinchidou, un Larmeléon, un Larvadar, pardon, un Balbulto, un Moumouton, une énergie acier, un écusson métal dresseur, une motocyclette, ok, une grande amulette, voilà, on a plein de d'objets. Ensuite, un Pyrobut en reverse, que je n'ai pas, et un Poltegeist. Poltegeist, ouais. Bon, bah rien de fou, hein. Oh là là. Ça commence très mal. Ensuite, on va s'attaquer au booster Loclass. On en a deux. Le petit code. Alors, 1, 2, 3, 4. Là. Tac, tac, tac. Donc, nous avons un Statistique, un Tritox, un Poulpaf, un Fantominus, un Minisange, un Arrosa, Aflamanoir, oula, le Dresseur Récupération d'énergie, Énergie Combat, ouh, Fenard en reverse, je l'ai pas celle-là, et un Roublenard normal. Aïe aïe aïe, ça ne vaut pas de la bonne pioche là. Après, c'est bien si ça arrive à être levé, arrive à être dispersé. Sur les plusieurs vidéos, si je chope tout moi-même, c'est pas top. Alors, le petit code, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, nous avons un Krabi, un Chinchidou, un Ponyta de Galar, un Doudouvet, un Flambino, Énergie Eau, Poisson Roi, Badabouin, un 9 chance dresseur, un Poulpaf en reverse, et ouh, un Pachiraja, en holo. Je l'ai pas du tout celle-là. Même en basique, je l'ai pas. Donc, c'est super. Il nous reste encore 3 boosters. Attends, je me suis planté. Non, si j'en ai. Ah, j'ai déjà ouvert 4. Oui, c'est ça. Donc, on va ouvrir. Allez, Zamazenta. Voilà le petit code. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nous avons un Rapion, un Poulpaf, un Moumouton, un Larmeléon, un Watapic, ok, énergie ténèbres, les sbires de la Timiel, ok, Klinkly, Malamandre, ah, Pokématos 3.0, et oh, Ténéfix en V, notre première V du display. Super, je l'ai pas en plus, donc ça me va super bien. Je suis super content. Oui, en fait, je l'ai. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va la mettre de côté. On la revendra. C'est pas grave. C'est le jeu. Hein.
peut pas avoir tout le temps des nouveautés, faut bien qu'on ait des doubles. On va ouvrir le dernier Zamazenta et après on va passer à Zacian. Le petit code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, nous avons un Dunaja, un Waltoutou, un Wistenpo, un Charibari, un Balbuto, Énergie Feu, Poisson Roi, Badabouin, Oups, Œuf Chance Dresseur, Lupio en Reverse, et un Scolof Cendre. Ok, bon, bah rien de fou. Comme d'habitude. Alors ensuite, il nous reste les trois Zacian. Tout va se jouer ici. À l'instant, le petit code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, j'ai un peu trop. Alors, nous avons un Lupio, un Grillpat, un Zigzaton de Galar, un Muna, un. Ah, je l'ai pas celui-là. Un Frisonil, je crois pas, ça me dit rien du tout. Il est trop bizarre ce Pokémon. Ok. Type plante, une énergie plante, pardon. Can ordinaire dresseur, Travis en dresseur aussi, Lapiro, oh, un Marakashi en reverse, et pff, allez, le classe V, ah super, je l'avais pas, lui c'est sûr je l'ai pas, elle est magnifique, comment elle rend trop bien, ah, je suis content, là franchement ça, ah, ça fait plaisir, ça revient, la joie revient parce que je commence à être un peu dépité, donc les deux derniers Zacian. Ah, ça me refait là, je suis content. Ouh, on va éviter ce spoil. Le petit code, tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, le Krabi, le Charibari, le Balbuto, le Triptox, Ponyta de Gala. Je vais vite parce que les illustrations, je les connais depuis plus de temps. Donc énergie plante, écusson métal, moticyclette, grande amulette, fois sirène en reverse, je l'ai déjà en deux fois celui-là je crois, et un négosier, bon bah un nigosier pardon. Bon bah on peut pas tout avoir des V non plus, donc ce serait bien, 36 V, on serait refait, un display, pas 36 V. Allez les gars, c'est moi qui régale. Voilà, le petit code, et c'est le dernier booster. Allons-nous avoir de la chance? Allons-nous avoir 3 V dans la première partie? Donc nous avons un Larvadar, un Rhinocorn, Chinchidou, Lupio, Cradopo, Énergie Psy, Moumouflon, Trio Picker, et Échange. Ouh, Can Ordinaire en Reverse, je n'ai pas. Et Drayol. Oh, il y a Drayol dedans. D'accord. Ok, mais je l'avais pas non plus, Drayol. Il y a des cartes que j'ai pas dans le classeur, il y a des endroits c'est vide, même les cartes basiques que je mets en attendant, il y a rien, c'est vide. Bon bah on va compléter comme ça, c'est bien. On va se quitter ici, voilà la vidéo est terminée, ça me fait déjà un bon petit paquet de cartes à ranger. Parmi ces cartes, laquelle t'as préféré, hein, moi je préfère largement la Loclass, parce que la Tenefix je l'ai déjà, elle est jolie, hein, mais à choisir je préfère la Loclass, elle est quand même beaucoup plus jolie. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner si ça t'a plu. Moi je te dis à très bientôt pour le deuxième épisode, et en attendant, amuse-vous bien et pas moi. Salut!